procédure d'accès à la nationalité française, voici les nouvelles conditions. La nationalité française est un défi pour de nombreux étrangers qui souhaitent obtenir des droits et des avantages supplémentaires. Cependant, avec la pandémie, le processus d'accès à la nationalité française est devenu plus complexe et a généré des questions chez les demandeurs. Heureusement, le gouvernement français a mis en place une démarche en ligne pour la demande d'accès à la nationalité française par décret généralisé. Quels sont les avantages de cette démarche en ligne? Cette démarche en ligne est une bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent obtenir la nationalité française. Les demandeurs n'ont plus à se déplacer pour déposer leur demande ni à envoyer le dossier par voie postale. Le processus est plus rapide et sécurisé et les informations sur l'avancée du dossier sont accessibles directement en ligne. De plus, un simulateur est à disposition pour aider les utilisateurs dans la constitution de leur dossier et des agents sont présents pour les accompagner dans la prise en main de la téléprocédure. Une fois le dossier accepté, le demandeur peut participer à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les demandeurs? Pour accompagner les demandeurs dans leur démarche, des dispositifs ont été mis en place. Le centre de contact citoyen est une ressource utile pour obtenir des informations complémentaires, en contactant le numéro 08 06 00 16 20 ou en remplissant le formulaire de contact en ligne. Vous trouverez le lien du site dans la description. De plus, des points d'accueil numériques sont disponibles dans les préfectures pour fournir du matériel informatique et des agents pour aider les usagers. Quels sont les départements qui ne peuvent pas accéder à cette démarche? Cette démarche n'est pas encore disponible pour les étrangers actuellement engagés dans l'armée française, ainsi que dans les départements suivants: Polynésie française, 987, Guyane, 973, Saint-Pierre-et-Miquelon, 975, Saint-Martin, 971, et Nouvelle-Calédonie, 985. La demande en ligne d'accès à la nationalité française par décret est une démarche simple et sécurisée qui ouvrira les grandes portes aux demandeurs. Les informations sont à jour et le processus est plus rapide et plus facile. C'est un grand soulagement pour les personnes qui souhaitent obtenir la nationalité française et qui peuvent maintenant le faire en ligne.